le pasteur Yvan Mouquetou, pasteur de l'église ACER Lyon et Montpellier. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette dernière session sur notre thème, les dangers de l'occultisme. Nous avons eu 5 sessions, donc là on est dans la 5e session. C'est vraiment un thème qui nous a été communiqué par le Seigneur et nous avons vraiment tenu à vous partager cette parole. Et je crois de tout mon cœur que quelqu'un a été délivré, quelqu'un a été affranchi. Et aujourd'hui, nous allons mettre le bouquet final et nous allons vraiment encourager les uns et les autres à se mettre à l'abri du Très-Haut. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, merci pour vos soutiens, vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. Et merci à l'équipe technique qui est avec moi, la sœur Olivia. Merci vraiment à tous ceux qui partagent cette parole et qui sont une source de bénédiction autour d'eux en partageant ce que nous recevons du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je vais mettre fin donc, à cette saison de ces émissions d'enseignement. Au début, on faisait des lives, ensuite on a changé un petit peu le modèle. Donc, on va faire une pause après donc, cette dernière session d'enseignement sur ce thème, les dangers de l'occultisme. Et nous reviendrons l'année prochaine avec une nouvelle formule, avec une nouvelle fréquence, avec quelque chose, vraiment, on monte le niveau. Voilà. Donc, on va partager ensemble ces moments. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi quelques instants? Seigneur mon Dieu, je te bénis et te rends grâce pour ta fidélité. Tu es un Dieu bon, merveilleux, excellent. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour la force, la vitalité. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Tu nous as oints pour annoncer une bonne nouvelle. Et ce matin, nous voulons proclamer ta parole avec force, avec puissance, et qu'elle ait un impact dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus, que quelqu'un soit délivré de l'emprise de Satan, de l'emprise de l'occultisme et de toutes ses dérives et de toutes ces choses mauvaises par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite à partager, comme d'habitude, partagez à au moins 10 personnes autour de vous. Et vraiment, si vous prenez cette émission en cours, sachez que nous avions déjà commencé à étudier les dangers de l'occultisme. Je ne voudrais pas revenir ici sur tout ce qu'on a vu parce que c'est un peu long. Mais sachez simplement que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde purement, simplement naturel. Nous sommes des êtres spirituels et nous vivons dans un monde spirituel. En fait, le monde naturel est compris dans le monde spirituel et interagit avec le monde spirituel. La Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés par Dieu, à la fois les choses visibles et les choses invisibles. Vous voyez ça? Donc, nous vivons dans un environnement qui n'est pas spirituellement neutre et chacun de nous doit se positionner, soit en Christ Jésus, qui est celui qui nous réconcilie avec Dieu, et du coup, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, soit nous restons sous la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que ce monde a été soumis à la vanité. Ce monde a été soumis à la déchéance. Lorsque le premier homme a péché volontairement, il a introduit par son péché la déchéance de l'humanité et de toute la race humaine. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'humanité, nous réconcilier avec Dieu et nous donner la domination sur toutes les œuvres de ses mains, y compris sur les puissances des ténèbres. Alors, aujourd'hui, nous allons donc aborder notre dernière session. Je vais lire un passage quand même qui est très explicite, hein, qui se trouve dans Lévitique chapitre 19, le verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 31, la Bible dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. » Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Écoutez-moi, les amis, l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est celui qui est Dieu. Et il est seul qui mérite la louange, l'adoration, et qui mérite notre vénération, et qui mérite que nous puissions entrer en communion avec lui. Et quand la Bible nous dit de ne pas nous tourner vers quelque chose, c'est parce que cette chose représente un danger pour nous.
La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas. Le Seigneur n'a aucun intérêt à nous dire de ne pas nous tourner vers ces choses-là, simplement par pure jalousie, parce qu'il veut être le seul vers qui on se tourne. Bien-aimés, ces choses sont véritablement nocives. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a ce qu'on appelle les souillures de l'esprit. D'accord ? Et toutes les personnes qui pratiquent ces choses-là s'exposent à des souillures, s'exposent à l'iniquité, au péché. Et toutes ces choses mettent une séparation entre Dieu et l'homme. Or, Dieu ne veut pas que l'homme soit séparé de lui. La preuve, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Bien. Donc, il dit, ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits. Évoquer, c'est le fait de se saisir d'eux, le fait d'appeler, hein, le fait d'appeler, le fait de faire apparaître par la magie ou par des pratiques, ésotériques, toutes ces pratiques qui permettent d'entrer en contact avec ces esprits. Oui, les amis, je ne suis pas en train de dire que cela n'est pas possible, c'est pas ce que la Bible dit. Il est possible d'entrer en contact avec les esprits, mais justement, il y a des dangers si vous entrez en contact avec ces esprits méchants. Okay? Ils vont vous dire, oui, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, si tu veux entrer en relation avec tel esprit et si tu veux obtenir telle chose de lui. Mais ils ne vous disent pas quels sont les dangers du fait d'entrer en relation avec tel ou tel esprit. Le fait d'invoquer et d'appeler tel ou tel esprit, vous donnez la légitimité à cet esprit pour vous maintenir en esclavage. Le diable veut vous maintenir en esclavage. Et vous savez ce que la Bible dit dans Actes 10, 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth, il allait de lieu en lieu, faisant du bien partout et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Vous comprenez ça? Donc, Satan veut avoir une emprise sur les hommes. Et il passe par ces esprits méchants-là pour avoir l'emprise. Donc, nous ne devons pas évoquer ces esprits, nous ne devons pas les appeler, nous ne devons pas nous approcher de ceux qui les invoquent et de ceux qui les adorent. La Bible dit dans Luc 16, 13, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Bien-aimé, je t'encourage à choisir le bon berger, le bon maître, Jésus-Christ. Alléluia. Lui seul peut te garantir la sécurité spirituelle. Lui seul peut te garantir la communion avec le Saint-Esprit et non pas avec des esprits malsains qui se déguisent en anges de lumière, qui se font passer pour des saints alors qu'ils ne le sont pas du tout. Vous savez, le diable est un menteur. Et tous les démons qui travaillent avec le diable suivent les traces de leur maître. Hein, et ils travaillent beaucoup avec le mensonge. C'est pourquoi méfiez-vous des principes soi-disant qui sont enseignés dans ces sciences occultes. Parce qu'on vous présente un aspect des choses, mais il y a des choses cachées derrière qu'on ne vous dira pas, parce que simplement, c'est un piège pour vous. Okay? Alors, on va parler de la perte de Saül. Dans 1 Chronique, chapitre 10, le verset 13, j'espère que quelqu'un est béni par la parole de Dieu. 1 Chronique 10, verset 13. Voici ce que la Bible dit. « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. » Est-ce que vous avez entendu ?« Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. » Bien-aimé, la Bible dit, le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque vous commencez à entrer en relation avec ces esprits, peu importe l'apparence, peu importe la porte d'entrée, okay, que ce soit une simple théorie philosophique, que ce soit des concepts anciens, soi-disant,
Écoutez-moi bien, ces choses visent à vous entraîner à la mort. Parce que Dieu a déjà dit qu'il ne faut pas le faire. Ici, Dieu dit qu'on ne doit pas le faire, il y a bien une raison. Et vous mettez votre vie, votre destinée, votre famille, votre santé, votre couple, vos enfants, vos petits-enfants et les générations à venir, vous les mettez en danger en ouvrant les portes à ces mauvais esprits. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Bien-aimé, il est nécessaire d'être fidèle à Dieu. Il est nécessaire d'être attaché à la parole de Dieu. Il est nécessaire de connaître Dieu et de chercher à le connaître. La Bible dit dans Osée, je crois que c'est 4:6 ou 6:4, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous avez aussi entendu ce verset. Justement, c'est important de connaître Dieu et d'être fidèle à Dieu et d'être fidèle à sa parole. Et voyez, Saül, qui avait été choisi par Dieu pour régner, qui avait été choisi par Dieu pour diriger son peuple, Saül s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Vous voyez ça? Et ça a interrompu prématurément sa destinée. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Que ta destinée ne soit pas interrompue. Que ta relation avec Dieu ne soit pas interrompue. Que ta vie familiale ne soit pas interrompue. Que ton couple ne soit pas interrompu. Que tes études ne soient pas interrompues. Que ton travail ne soit pas interrompu. Que tes entreprises, tes projets ne soient pas interrompus. Alléluia. Voyez, il n'a pas observé la parole de Dieu et il a interrogé et consulté ceux qui évoquent les morts. D'accord? Et il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir. Voilà. Et transféra la royauté à David. Bien-aimé, Dieu nous appelle à régner. Il nous appelle à dominer dans cette vie. Il ne nous appelle pas à être des victimes. Mais si tu ne te confies pas en lui, et si tu n'obéis pas à sa parole, et si tu ne tombes pas dans les interdits, bien-aimé, il y a des interdits dans cette vie. Vous ne pouvez pas être hors la loi et penser qu'un jour ou l'autre, ça ne va pas vous tomber dessus. Hein? Que ce soit sur le plan naturel ou sur le plan spirituel. Vous comprenez ça? Très, très, très important, les amis, d'observer les recommandations. Vous voyez? Alors, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 15, on voit très clairement ces notions de désobéissance à la parole de Dieu dans la vie de Saül, qui était appelé à régner, comme la plupart des chrétiens. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront par Christ dans cette vie. La Bible dit aussi que Dieu, qui nous aime, nous a délivrés de tous nos péchés par son sang. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, Dieu nous appelle à régner et Dieu nous appelle à offrir des sacrifices, en commençant par notre propre vie. Mais des sacrifices, on les offre à Dieu et non pas à des esprits mauvais. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 23. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Alléluia. J'espère que tu as partagé. J'espère que tu as partagé parce que nous allons aller encore un peu plus loin dans la révélation. Quelqu'un va être béni. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ah, ah. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Waouh. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que la divination est coupable. La divination, la magie, toutes ces choses dans lesquelles on se connecte à des esprits de la nature, soi-disant, pour obtenir d'eux un certain nombre de choses. Toutes ces choses sont coupables et sont en abomination devant l'Éternel. Donc, il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Bien-aimé, ne t'amuse pas à désobéir à la parole de Dieu ou aux instructions de Dieu, parce que tu prends le risque de tomber dans une culpabilité qui est liée justement à la désobéissance aux instructions et à la parole de Dieu. Tu enfreins des lois, tu violes la loi spirituelle, eh bien,
il y aura des répercussions, il y aura des conséquences. J'écoute parfois des débats autour des questions et des sujets religieux. Et j'écoutais récemment un débat, il y avait un libre penseur, un philosophe libre penseur qui émettait une certaine opinion avec beaucoup d'éloquence et beaucoup d'assurance. Et je souriais en écoutant, je me disais juste, mais il est marrant le monsieur, parce qu'avoir une certaine opinion n'exclut pas qu'il y a des conséquences derrière nos opinions et nos pensées. Nous sommes libres de penser à ce que nous voulons, de faire ce que nous voulons. Mais bien aimé, ce que nous faisons aura des conséquences. Et il faut bien que quelqu'un nous dise, cette chose-là a telle conséquence. Bien aimé, n'expose pas ta vie à des choses qui peuvent interrompre prématurément ta destinée et qui peuvent nuire dans ta descendance, dans les générations. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Saül a été rejeté parce qu'il a désobéi. Et la Bible nous dit très clairement que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc très clairement, la divination est coupable. Alors qu'est-ce qui s'était passé aussi en termes de divination dans la vie de Samuel? Dans 1 Samuel 28, on voit Samuel qui allait consulter une femme qui évoque les esprits des morts. Hein? 1 Samuel chapitre 28, on va le lire très rapidement. 1 Samuel chapitre 28. Le verset 3, Samuel était mort, écoutez, le prophète Samuel était mort, hein. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par songe, ni par l'urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez elle. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » Il vient faire quelque chose que Dieu a interdit. Il le fait pourquoi ? Il le fait parce que le prophète est mort. Il le fait parce qu'il y a une pression, ses ennemis arrivent. Et il le fait troisièmement parce qu'il invoque Dieu, mais Dieu ne lui répond pas. Bien aimé, tous ces éléments ne sont pas une justification pour désobéir aux instructions explicites que Dieu avait données. Saül serait resté dans le calme. Il aurait dit, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Le prophète qui me parlait les oracles de l'Éternel n'est plus là, il est décédé. Mais il y a une menace qui pèse sur le peuple. Qu'est-ce que je dois faire, Éternel? La Bible dit que nous devons garder le silence et attendre l'intervention de Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller consulter des voyants, des astrologues, ceux qui invoquent les esprits des morts, etc., pour chercher une réponse qui vienne de l'au-delà. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Alors, il y a un débat théologique autour de cette histoire, à savoir, est-ce que c'est Samuel véritablement qui était monté, ou si c'était un démon qui avait pris la forme de Samuel pour monter. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Il y a beaucoup d'arguments qui se choquent et s'entrechoquent à ce sujet. Moi, je me contente simplement de vous dire que Dieu a interdit qu'on évoque les esprits des morts. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Les morts sont morts, les vivants sont les vivants. Il faut rester comme ça. Dieu est le souverain. L'Esprit de Dieu est le maître du jeu. Il peut décider. Ce n'est pas à nous de décider. Vous comprenez ça?
il peut décider d'envoyer, comme sur la montagne de la Transfiguration, où Jésus a vu apparaître Élie et Moïse, qui lui ont parlé de sa mort sur la croix. Et les Pierre et les autres qui étaient avec Jésus ont vu cette expérience surnaturelle. Mais ce n'est pas Jésus qui est venu pour dire « Seigneur, envoie Élie, envoie Moïse ». Non, pas du tout. Le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, a décidé de faire vivre cette expérience. Ce n'est pas à nous de chercher à vivre ces choses-là. Nous devons laisser Dieu. Est-ce que vous m'entendez? C'est dangereux de pouvoir s'exposer à de telles pratiques. OK? Alors, je vais finir avec ce passage dans Galates chapitre 5. J'espère que quelqu'un est béni ici par la parole de Dieu. Galates chapitre 5. Bien-aimé, si tu crois en Jésus-Christ, tu as été délivré de la puissance des ténèbres. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens 1:12. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres et tu as été transféré dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Jésus-Christ. C'est un royaume de lumière. Et tu n'as pas à repartir dans les ténèbres. Et tu n'as pas à repartir dans des pratiques occultes, ténébreuses, ésotériques pour atteindre un certain nombre de choses. Comprenez? Tu n'as pas à le faire. Et il faut prévenir ceux qui font ces pratiques autour de vous qu'ils sont en danger. Il faut qu'ils arrêtent de le faire. Moi, j'ai été choqué, hein, il y a plusieurs années de cela, de voir au journal de TF1, hein, la chaîne nationale, un reportage sur la sorcellerie. Et puis, ils ont mis en avant une jeune fille qui a un compte sur les réseaux sociaux avec plusieurs milliers, je crois qu'elle avait 500 000 abonnés, des choses comme ça. Et cette jeune fille faisait l'apologie de la sorcellerie en disant, oui, vous savez, tout le monde peut pratiquer la sorcellerie, ce n'est pas, c'est pas forcément mauvais, parce que, ben voilà, moi j'aide les gens, je les apprends à faire des sorts, à utiliser des sortilèges pour atteindre un certain nombre de choses. Bien-aimé, c'est de la sorcellerie, d'accord? Et c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. J'étais outré et scandalisé de voir un tel reportage au journal de 20h, alors que je suis le journal avec mes enfants, on vient me parler de sorcellerie, et faire l'apologie de la sorcellerie pendant le journal. Et ils n'ont pas parlé des dangers de l'occultisme, de ces pratiques-là. Toutes les personnes qui vont l'avoir pour utiliser un sort en invoquant X ou Y esprit se retrouvent esclaves de ces esprits-là, se retrouvent tourmentés par ces esprits, se retrouvent hantés par ces esprits-là. Parce que tu n'as pas le contrôle sur ces esprits. Tu ne les connais pas. Ce n'est pas toi qui fixes les règles du jeu. Et tu ne connais pas les règles du jeu dans le monde spirituel. Donc méfie-toi. Viens te mettre à l'abri du Très-Haut. Viens te mettre à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Regardons ensemble Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. La Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair, s'il vous plaît, on ne parle pas de la chair humaine. Hein? La chair, c'est la nature de l'homme qui n'est pas renouvelée. La chair, c'est cette nature. Lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous marchons selon la chair. Nous marchons selon nos vaines pensées humaines. Tout ça, on met ça dans le lot de la chair. On dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit avec grand E, l'esprit de Dieu. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, avec grand E, l'esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, écoutez maintenant, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Est-ce que c'est clair?
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La parole est claire. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez, dans ce passage, il y a trois œuvres de la chair qui m'interpellent ici par rapport à notre sujet, bien sûr. C'est l'idolâtrie, c'est la magie et ce sont les sectes. L'idolâtrie, la magie et les sectes. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer un objet, un esprit, un ange, d'adorer un talisman, un fétiche, au lieu d'adorer le vrai Dieu. Et bien aimé, on ne se rend pas compte, dans notre société, l'idolâtrie prend différentes formes. Il y a des gens qui idolâtrent les réseaux sociaux. Oui, il y a des gens qui idolâtrent leur travail. Il y a des gens qui idolâtrent leurs enfants. Il y a des gens qui idolâtrent leur mari, leur femme. Il y a des gens qui idolâtrent leurs études. Il y a des gens qui idolâtrent l'argent. Eh oui, tout ce qui vient faire concurrence à Dieu dans notre cœur, c'est de l'idolâtrie. Le fait d'adorer un ange. La Bible dit que nous devons adorer Dieu et non pas les créatures. Vous voyez ça? Et souvent, quand vous regardez c'est les personnes qui sont dans les loges, dans des pratiques un peu bizarres, ils vont faire des incantations, etc. Mais le but de ces incantations, c'est quoi? C'est donner une adoration à des entités. Mais, bien aimé, la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration ne doit être donnée qu'à Dieu, le seul, celui qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre afin de nous racheter. L'idolâtrie, la magie, c'est très clair, magie rouge, magie blanche, magie noire, magie grise, peu importe la couleur, c'est des œuvres de la chair et quiconque commet ces choses n'héritera point le royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu et entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi si tu es encore attaché à ces choses. Et bien aimé, s'il vous plaît, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Galates, c'est-à-dire qu'il parle à des chrétiens. Il y a encore des chrétiens dans les églises qui viennent adorer Dieu et qui ont des choses bizarres à la maison. Ils adorent Dieu le dimanche, ils lèvent les mains, « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore. » Et en face d'une difficulté, en face d'un problème, en face d'un obstacle, ils sont encore capables de repartir consulter des voyants, des devins, des magiciens, des sorciers, etc., des diseurs de bonne aventure. Ces pratiques sont en abomination à l'Éternel. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Bien-aimé, je ne sais pas si je suis assez clair quand je le dis. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc, tu ne peux pas être chrétien et continuer à entretenir les œuvres de la chair. Il faut crucifier la chair. Comme Christ a été crucifié, tu dois crucifier la chair et ses œuvres. C'est-à-dire que tu dois crucifier la magie, tu dois crucifier les sectes, tu dois crucifier l'idolâtrie, tu dois crucifier l'impudicité, tu dois crucifier la sorcellerie, toutes ces choses. Tu dois les crucifier. Alléluia. Sois libre au nom de Jésus de ces chaînes et de ces œuvres de la chair. Est-ce que vous m'entendez? Les sectes, toutes sortes de sectes. Vous savez, il y a des mouvements sectaires qui sont plus acceptés que d'autres parce qu'ils ont réussi à s'immiscer dans les systèmes de gouvernance des nations, parce qu'ils ont réussi à s'immiscer dans les parlements, dans les sénats. Ils ont réussi à s'immiscer au sommet des plus grandes institutions, amenant les hommes et les femmes intelligents à prêter des serments, les rendant esclaves d'une idéologie qui les éloigne de Dieu, qui les détourne de Dieu et qui les empêche d'adorer le vrai Dieu. Et ils entrent dans une sorte de fraternité que je qualifie de malsaine. Ils entrent dans une sorte d'alliance malsaine. Ils s'appellent frères.
Ils s'appellent des frères de lumière, mais c'est des frères des ténèbres, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils font des choses dans les ténèbres. Aujourd'hui, de plus en plus, ils ne s'en cachent pas. Mais si vous lisez ce qu'ils disent, ce qu'ils font, vous allez voir au grand jour qu'il s'agit purement et simplement de l'idolâtrie, il s'agit purement et simplement de magie, il s'agit purement et simplement de sectes pernicieuses. Ce sont des sectes, c'est des mouvements sectaires. Si vous avez prêté des serments et que vous êtes tenu dans ces loges, sortez-en. Venez nous voir, on va vous aider, on va prier avec vous. Et on va briser les liens, on va briser les chaînes. Écoutez-moi bien, il y en a qui sont même amenés à faire des pactes de sang. Et ils sont liés, ils se sentent liés à vie, ayant consenti à faire des pactes de sang. J'aimerais vous dire que le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire qu'il est supérieur au sang d'un homme. Et il est capable de te délivrer de toute alliance occulte, malsaine, impure, dans laquelle tu as pu tomber. Regarde comment ta vie est méprisable et malheureuse depuis que tu es coincé dans ces alliances. Sors de ces alliances au nom de Jésus. Sortez de ces alliances au nom de Jésus et dénoncez ces pratiques ténébreuses et confiez-vous en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, j'aimerais finir en disant qu'il y a des solutions à tous les problèmes humains. La première solution, c'est la repentance. La Bible dit dans Actes 10, 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » C'est-à-dire à confesser le péché et à abandonner le péché et se détourner du péché. La repentance, c'est la première chose. Ensuite, la Bible parle du renoncement aux œuvres mortes. La Bible parle du renoncement, c'est-à-dire que tu dois renoncer, tu dois abandonner ces choses. Tu dois confesser, te détourner, tu dois renoncer à ces choses. Ok? La troisième chose, c'est que tu dois détruire ouvertement les livres et les objets, les ustensiles qui ont servi à ce culte et à ces pratiques. Et tout objet en rapport avec ces pratiques doit être détruit en présence de témoins. La Bible dit dans Actes 19 que ceux qui avaient pratiqué la magie et qui se convertissaient, ils venaient détruire les livres de magie, les amulettes qu'ils avaient, les fétiches qu'ils avaient, ils les apportaient et on les détruisait en présence de tout le monde. Parce qu'il faut dénoncer la Bible, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Tu ne dois pas faire en cachette, ça doit être fait en public. La Bible dit que tout ce qui est caché devrait être mis à la lumière. Voilà. Destruction ouverte des livres et des ustensiles occultes ou en rapport avec ces pratiques occultes, en présence de témoins, notamment en présence d'un homme de Dieu ou un. Il faut désapprendre tous les mensonges liés à ces pratiques, à cet occultisme, à ces sectes, à ces loges où on vous bourre le crâne au début de philosophie, tout ça pour vous amener à réfléchir différemment. Et ensuite, on vous amène dans l'idolâtrie et on vous introduit dans la sorcellerie. C'est progressif. C'est progressif. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils y vont parce que c'est des mouvements, c'est des cercles philosophiques et de réflexion et de pensée, etc. pour un monde meilleur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En apparence. Mais l'objectif derrière, c'est de vous enfermer dans des prisons de l'âme et de l'esprit et de vous maintenir captifs. Mais vous en sortirez par la puissance du nom de Jésus. Il faut désapprendre tous les mensonges liés à l'occultisme. Bien-aimé, le diable est un menteur. Écoutez-moi bien. Même lorsqu'on fait une délivrance, qu'on chasse un esprit, lorsque l'esprit parle, il faut se méfier de ce qu'il dit. Parce que les esprits sont des menteurs. Ce sont des manipulateurs. J'avance pour finir. Donc, après désapprendre tous les mensonges, eh bien, il faut devenir véritablement un disciple de Jésus-Christ en s'attachant à la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Bien-aimé, Jésus seul garantit la vérité. Jésus seul garantit la sécurité. Jésus seul garantit une communion saine avec Dieu. Et on n'est pas dans des mélanges. Soit tu es en Jésus-Christ et tu as véritablement confiance en lui et en lui seul,
Tu n'as pas besoin de mélanger avec les gris-gris, les fétiches, les choses, parfois même qu'on nous transmet de génération en génération sans qu'on ne puisse mesurer l'impact négatif de ces choses. Devenir un disciple de Jésus-Christ, aimer la vérité, pratiquer la vérité, dire la vérité, et enfin, prêcher l'évangile et dénoncer et condamner les œuvres des ténèbres. La Bible dit, je finis là-dessus, dans le psaume 91, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Bien-aimé, l'ombre du Tout-Puissant est ce dont tu as besoin. Et si tu t'es mis sous un abri en paille que le diable a confectionné pour toi, je t'en conjure par les compassions de Dieu. Cela n'est pas pour ton bien, cela n'est pas pour ta sécurité. Sors de là et viens te mettre à l'abri du Très-Haut. Viens te mettre à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que tu seras en sécurité. C'est là que tu seras délivré. C'est là que tu seras béni, heureux, épanoui et une source de bénédiction. Amen, amen, amen. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme maintenant. Seigneur, ceux qui sont enchaînés, captifs, qu'ils soient délivrés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. J'étends ma main vers toi, toi qui me regardes, afin que la puissance de Dieu te touche là où tu es et que tu sois libre, que les chaînes tombent, que les mensonges du diable soient dénoncés et que la vérité de l'évangile de Jésus-Christ prévale dans ta vie. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir passé ces moments avec nous. J'étais vraiment béni pendant toutes ces semaines de partager la parole de Dieu. Nous reviendrons l'année prochaine. On fera une communication là-dessus pour vous dire quand est-ce qu'on reprendra la nouvelle formule de ces moments d'enseignement et de partage de la parole de Dieu. N'hésitez pas à nous faire un retour. Vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook ou Instagram, que ce soit celle de l'église de Lyon, ACER Lyon, ou nos pages personnelles, Pasteur Yvon Mouketou, Pasteur Tina Mouketou. Vous pouvez nous contacter si vous connaissez des personnes qui sont captives, qui ont besoin de délivrance. Nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons prier pour leur délivrance. Ce n'est vraiment pas un problème. La délivrance est le pain des enfants. Vous comprenez ça? Donc, soyez rassurés que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de délivrer encore aujourd'hui comme il l'a fait hier et encore plus avec sa gloire. Parce que nous sommes dans une dispensation où la gloire que nous allons connaître sera plus grande que celle que les premiers disciples, les premiers apôtres ont connue. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Nous sommes au 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin. Si vous êtes dans la région lyonnaise, vous pouvez passer nous faire un coucou, nous visiter. Nous avons 3 cultes chaque dimanche. Vous pouvez vous inscrire. Regardez sur nos différents réseaux. Vous trouverez toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. C'était long. J'ai dépassé de 8 minutes. Bah oui, parce que l'essentiel donc.